Les nouvelles habitudes se font dès l'arrivée. Depuis plusieurs jours, les enfants déposés au périscolaire de Beach se sont familiarisés avec les différentes consignes mises en place contre le Covid-19. L'équipe a travaillé dur pour pouvoir appliquer le protocole sanitaire. Pour les petits, un temps d'adaptation a été nécessaire pour pouvoir intégrer les nouveaux rituels. Alors l'idée est venue de transformer ces règles strictes en jeu. Mais après, les animatrices, elles ont su rendre les choses ludiques, comme par exemple le petit traçage au sol, où elles disent bon, on peut faire des petits sauts de kangourou ou sauter comme des grenouilles. Après, pour le lavage des mains, par exemple, elles l'ont rendu ludique aussi. J'ai une animatrice qui a créé une chanson qui dure pile 30 secondes, puisque c'est le temps préconisé pour le lavage des mains. Le décor s'est paré de multiples marquages pour pouvoir espacer au maximum les enfants et leurs possessions. Le fonctionnement des activités s'est aussi plié aux nouvelles règles. Les ateliers sont simplifiés, les différents points de contact sont désinfectés régulièrement. Chaque enfant possède son propre panier avec ses crayons et ses jouets. Ils ne peuvent plus partager leurs affaires. Au moment du repas, chacun dispose de son plateau avec des couverts jetables. Ici, on individualise au maximum pour éviter de se rapprocher. Mais on a fait attention à ce que sur la table, vous voyez, ils sont deux, séparés d'un mètre. Ils ont leur place individuelle. On a vraiment individualisé les choses par enfant, vu que c'est toujours le même groupe qui revient. Le périscolaire pouvait accueillir jusqu'à 80 jeunes. La capacité a été réduite à 20. Pour le moment, ce n'est pas plus de 8 enfants qui sont présents. Le personnel a tout de même été renforcé par une ATSEM au quotidien. Pour certains parents, la réouverture du périscolaire leur a permis de reprendre le chemin du travail. En attendant, les enfants ont de quoi s'occuper.